Salut tout le monde, c'est toi pour Cross. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, nickel. Alors là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où acheter sa moto Cross d'occasion. C'est un tuto qui m'a été très demandé. Là, on se retrouve sur mon ordi. Alors, je vais vous montrer ça sans se faire arnaquer, hein, évidemment. C'est facile d'acheter une moto, mais sans se faire arnaquer. Là, faut bien regarder le texte de l'annonce. Et s'il y a le numéro de téléphone, là, c'est le truc, voilà. Alors, moi, j'ai tapé 85, hein, au motocross, c'est ce qui me correspond. Ou 125, on s'en fout de la moto. On regarde juste. Ouais, des motos, vous voyez bien, j'ai mis 85. Bon, allez, admettons celle-ci. Elle est très belle, hein, une KTM de 2014. Voilà, le duo a fait propre. Faut pas suivre aux photos aussi, mais elle est fait propre. Quand même, c'est un minimum. Alors, par exemple, regarde, vous voyez, c'est que par mail, donc c'est pas vraiment sérieux. Après, voilà. Bonjour, je vous ma KTM 85 saisis car je vais passer à la plus grosse cylindrée. Ne servait que pour le loisir. Toujours parfaitement bien entretenu. La lavée est graissée à chaque sortie. Kitchen, chaîne neuf, etc. etc. Les photos à fait propre. Voilà. Mais bon, voilà. Après, vous choisissez aussi une vidéo, une moto à votre critère. Je sais pas si vous voulez une Yamaha 85YZ, vous tapez ça, voilà. Une petite roue, une grande roue. Voilà, ça fait plus sérieux, vous voyez bien, ça sera arnaqué. Après, le truc, ceci, c'est d'aller contacter la personne et aller la voir et lui dire. Et il a regardé et laissé, en fait. Voilà. Après, vous pouvez. Alors là, on va regarder d'autres. Allez. On a plein. Après, le meilleur, c'est pour pas se faire arnaquer, c'est le long coin. On gère sa moto. Voilà. Regardez, c'est très bien. Le prix est honnête. Il n'est pas non plus l'acheter en garage, peut-être. C'est un peu débridé, les garages, souvent ça. Acheter ça bon coin. Franchement, un particulier, pas un garage. Non. Et les garages, souvent, c'est un peu plus cher. Voilà, tout simplement. Après, il faut voir sur place, mais bon. D'abord, allez voir. Bon, c'est pas ça que je vais vous quitter. Voilà. Après, voilà, faut bien regarder la moto. La 2010, je la trouve un peu chère. Ça, c'est cher, les amis. Quand il voit l'autre de 2010. 2000, ouais, elle est un peu chère. Voilà, faut l'avoir sur place aussi, ce qui est mieux. Par exemple, on a... Sur le meilleur site, sur le coin, j'ai cherché, c'est mieux. Elle est un peu chère. Bien lire l'annonce aussi, vous voyez. Voilà. Bon, c'était 100% KTM, sauf pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!